Bonsoir à tous. Les averses ont arrosé la Martinique, apportant des cumuls maximum de 15 à 36 mm en 6 heures sur le nord de l'île. Découvrons ensemble les images satellites. Sur l'animation satellite de ce soir, nous pouvons distinguer des amas nuageux présents sur l'arc antillais. Ils ont distillé de nombreuses averses sur la Martinique. À l'est des Antilles françaises en Atlantique, nous retrouvons une zone dégagée suivie d'un ciel changeant où les nuages sont porteurs de nouvelles précipitations et ce type de temps devrait concerner la Martinique au cours de la soirée de lundi. Ce soir, le ciel est changeant et variable. Les belles périodes de temps calme sont altérées par quelques passages nuageux porteurs d'averses localement soutenues. Ces précipitations s'atténuent en cours de soirée et cette nuit. Les minimales seront plutôt douces avec 26 degrés. Lundi, après une matinée bien agréablement ensoleillée, les nuages se font plus nombreux en cours d'après-midi et de nouvelles précipitations sont attendues vers la fin de la journée. De fortes averses localement orageuses sont attendues la nuit suivante et nous attendons des maximales de 32 degrés. Le vent de secteur sud-est, souvent faible, soufflera entre 10 et 25 km/h dans les terres, autour de 30 km/h dans les zones exposées. Des rafales de 60 voire 70 km/h sont possibles sous les grains. La mer est agitée avec des creux moyens passant d'1,60 m à 1,80 m en Atlantique et dans les canaux. Elle est belle à peu agitée du rivage au large en Caraïbes avec des creux moyens proches d'1 m. On reste en mer avec les horaires de nos marées. La pleine mer est prévue à 8h23, la basse mer est attendue à 2h23 et 13h23. Les premiers rayons du soleil apparaîtront dès 5h48 pour disparaître à 18h30. Quelles seront les tendances pour ces prochains jours? Mardi, le temps sera perturbé et délivre des pluies durables et des averses soutenues localement orageuses. Le vent soufflera faiblement et la mer s'amortit graduellement. Pour mercredi, au passage d'une nouvelle onde tropicale active, les averses seront fréquentes, intenses et parfois orageuses. Le vent restera faible et pas de changement significatif pour la mer. Jeudi, le ciel est encore chargé et apporte de fortes averses localement orageuses associées à de fortes rafales le matin. Puis, le temps devient variable, alternant périodes ensoleillées et des nuages accompagnés de brèves averses. Pour vendredi, soleil dominant et nuages se partagent le ciel avec quelques averses. Le vent sera faible à modéré et l'état de la mer évolue peu. Passons maintenant à la qualité de l'air prévue pour demain. Madininer prévoit un indice atmo bon sur l'ensemble du territoire. C'est la fin de votre bulletin. Merci d'être toujours au rendez-vous. Demain lundi, nous souhaiterons une bonne fête au Gaëtan. La petite phrase du jour, limite tes désirs des choses de ce monde et vis content. Que votre soirée soit douce et agréable sur la première.